rien. C'est qui d'ailleurs? C'est ce qui compte à mes yeux, voilà, le plus pour moi, avec mes enfants, ma femme et tout. C'est la famille, c'est mes parents qui sont toujours derrière moi et voilà. C'est là où j'ai commencé à jouer. C'est là où quand j'avais du temps libre, j'allais sur le terrain parce qu'il fallait juste passer la barrière et on était sur le terrain. Et on jouait là, on jouait des heures, on se faisait engueuler par le gars qui tenait le terrain des fois. Oh, mais maintenant, c'est là qu'on a tapé le premier ballon. Moi, avec le maillot du Royal Stade Brennois. Non, c'est voilà, que des bons souvenirs, petit, avec le maillot trop grand, les cheveux un peu pas trop faits. Ça, c'est la première grande compétition, enfin grande, chez les jeunes, où peut-être c'est là que j'ai commencé à me faire connaître. C'est un match contre l'Espagne à Tournai. C'est demi-finale de la Coupe du Monde, Coupe d'Europe, je sais plus, Coupe d'Europe. Et ouais, non, c'est là où les gens ils ont commencé à me connaître parce que j'avais fait des bons matchs. On aurait pu gagner, on a perdu contre eux au pénalty, mais voilà, que des bons souvenirs aussi. Ben, ça, c'est le dernier match à Lille. Capitaine, j'ai marqué un triplé. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas mieux pour partir. Un grand monsieur du football français. Voilà, petit par la taille, mais grand par le talent. C'est un ami et voilà, c'était mon capitaine pendant quelques années. Non, voilà, on est toujours en contact et ça fait plaisir. Et il me ressemble. Ouais, ça va pas trop mal encore. Ça montre l'évolution du jeu. Hein. Il y a 10 ans, les avatars, c'était pas terrible. Ça ressemble à rien du tout. Et là, maintenant, avec la technologie, ce qu'ils arrivent à faire, c'est beau. Hein. C'est presque si c'était un match de foot, un vrai match de foot sur console. Quoi. L'équipe nationale, hein. Capitaine. Voilà, je pense que c'était contre l'Italie. Et en plus, on a gagné. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être capitaine de cette équipe-là avec autant de talent. Un grand joueur, un grand coach. Voilà, une personnalité, deux personnalités fortes du football. Mais qu'on les aime ou qu'on les déteste, voilà. Un, c'est un grand entraîneur, l'autre, c'est un grand joueur. Voilà.